Coucou mes tisans, j'espère que vous allez bien. Oh, ça faisait longtemps, tiens. Une petite vidéo, on se prépare ensemble, où je vous montre mon make-up. Vous avez vu, j'ai rebouclé mes cheveux avec mes tresses collées que je fais après mon shampoing. Encore sur cheveux mouillés, j'ai dormi toute la nuit. Et le lendemain, ça donne ça. Voilà. C'est bien, là, comme la dernière fois, vous avez bien aimé. Je me suis dit, on va recommencer. Ça fait un petit effet années 80 et également un petit effet flamenco. Vous choisissez. du coup, je me suis dit, allez hop, on va se préparer ensemble. Alors, j'ai déjà fait mon teint. J'ai le nez tout abîmé. Si vous voyez des trucs, là, c'est pas des caca de nez, hein, c'est juste des croûtes. Je sais pas si c'est mieux, en fait. Je me suis fait mon teint avec mon infaillible 24 heures fresh wear en teinte miel éclat radiant honey et j'ai pris également l'anti-cerne qui va avec infaillible en teinte 323 chamois. Voilà, et j'ai poudré le tout avec ma poudre de chez Kiko. Voilà, et puis j'ai fait mes sourcils avec la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. C'est bon, on est prêt. Le pull, vous allez me demander, il vient de chez Dress Lily. Je vous ai fait un try-on que vous avez eu la vidéo de juste avant. Ça en fait des choses à dire. Alors, je vous avouerai que j'étais pas très inspirée aujourd'hui pour me maquiller. Enfin, je suis toujours inspirée pour me maquiller. Mais je savais pas quelle palette prendre. Je me suis dit, il faut que tu prennes une palette que tu n'as jamais utilisée. Bah quoi? Je l'ai jamais utilisée. Oh, ça va, elle est pas sortie il y a 6 mois. Non, elle n'est pas sortie il y a 6 mois. Enfin bref, je prends mon miroir et je sais que dans, à chaque fois sous mes vlogs et sous mes profils, sous mes photos Insta, vous me demandez toujours des vidéos tutos. Alors les vidéos tutos sont des vidéos que vous n'aimez pas, donc je vous en fais pas des tutos, mais je vous dis à chaque fois, si vous voulez voir le make-up, eh ben, il faut aller dans les vidéos où on se prépare ensemble. Voilà. Bon, je vais déjà unifier ma paupière et on va parler de tout et de rien ensemble comme d'habitude. Et bon, j'arrive après la guerre, hein, tout le monde l'a déjà testé, sachant que c'était il y a 2 mois que j'ai testé la première, hein, donc alors que je l'avais acheté le jour de sa sortie. Un petit zoom serait bienvenu, hein. Je zoome pas trop près pour pas que vous voyez mes petites croûtes de nez. Alors, je vais mettre ma base sur mes yeux. C'est un paint pot de chez MAC en teinte Painterly, les Pro Longwear Paint Pot. Je les adore, je trouve que pour faire les cut crease et pour... Là, je suis en train de fouiller dans mes pinceaux en même temps. Pour faire les cut crease et pour faire plein de trucs en ease, eh ben, c'est plutôt sympa. Alors, attends, voilà, c'est ce pinceau-là que je prends habitué. Non, c'est pas ce pinceau-là. J'ai acheté des brush guard comme ça, là, sur AliExpress pour mettre sur tous mes pinceaux. Mais maintenant, je sais plus quel pinceau il est. C'est malin tout ça! Un petit pinceau comme ça. Alors si je vous dis pas le nom des pinceaux et tout ça et tout ça, c'est juste que bah, je vous les dis pas. Voilà. Non, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment d'importance au niveau des pinceaux. J'utilise pas par les pinceaux. De toute façon, vous allez voir que des pinceaux Jessup. Par celui-ci qui est un pinceau Anjou. Mais ça, c'est un truc que je vais pas me servir pour mon make-up. Donc, mais sinon, c'est que les pinceaux Jessup que j'achète sur l'Amazon. Voilà, et qui sont vraiment très très bien et qui sont des dupes des Sigma, mais de ouf quoi. Des Sigma ou des Zoeva? Non, des Zoeva. Enfin voilà quoi. Bon, comment ça va vous avec cette confination? Franchement, c'est dur pour tout le monde, je trouve. Après, moi, ces histoires de 11 mai, machin, je veux bien le croire qu'au 11 mai, il va y avoir une déconfination progressive. Mais si c'est pour... Tiens, je vais en profiter. Si c'est pour déconfiner, mais être malade, tomber malade et tout ça... Ah bah non, moi perso, le 11 mai, je vais pas sortir. Hein. Je vais sortir progressivement, refaire mes courses et tout ça. Mais non, enfin, je fais déjà mes courses, vous me direz, mais... Mais non, je vais... voilà, c'est... De toute façon, ils ont dit hein, qu'il va y avoir un... Je suis désolée, je vous regarde pas, je cherche mes pinceaux. Ils ont dit qu'il va y avoir un pic de rechute hein, après, une fois que tout le monde sera sorti. Et j'imagine. Je vais prendre... Ah non, bah tiens, j'ai oublié.
Je vais prendre un autre pinceau. Ouais, un pinceau comme ça. Je vais prendre la teinte qui est nude là, pour unifier le tout. Enfin, pour unifier tout, pour mettre en bas sur ma paupière. La teinte Sand Nude. Voilà, hop, première fois que je mets mes pinceaux dedans. Askip, elle est pas mal. Je sais qu'Elodie, elle l'a pas trop aimé. Moi, je l'ai commandé tout de suite, hein, la palette de Sana, parce que la première, je savais que c'était une tuerie intergalactique. Donc, dès le jour de sa sortie, je l'ai commandé. Hein, même si, vous savez, ce que je vous avais expliqué, j'ai bien galéré pour l'avoir. Un coup, Sephora, avec le mettre dans ton panier, après, il t'envoie un message comme quoi ton panier est invalidé alors que t'as fait un paiement PayPal. Enfin, bref. Ça, c'est autre chose. Donc ouais, le déconfinement, moi perso, je pense pas, enfin voilà, même envoyer des enfants à l'école le 11 mai, enfin, mais t'as pas le droit d'ouvrir les bars, mais t'as pas le droit t'envoies les enfants. Envoyez-les, ils sont jeunes, oh, c'est pas grave s'ils meurent. Oh. Ensuite, je vais mettre la teinte, hein. Non, pas la teinte, je vais mettre la teinte... Quand je vous ai dit, je suis pas inspirée aujourd'hui, c'est que je voulais faire dans les tons un peu, vous savez, ces tons qui sont nude là, ça là et ça là. Parce que cette palette, elle est bien, mais je trouve que l'harmonie, elle ne rime à rien en fait. Donc voilà, c'est tout. Je pense que non, je sais pas en fait. Oh, bah si je sais pas, je vais peut-être mettre la teinte I don't know. Ça aurait été ça. Ouais, mais non. Je vais mettre la teinte. Hey, je vais la mettre en creux de paupière. Alors moi, quand je fais des make-up, sachez que je ne suis pas du tout make-up artiste. Hein. Ça, vous le savez déjà. Je me maquille en fonction de mes humeurs. Et puis des fois, ça loupe. Des fois, bah, pour rattraper le tout, je mets des paillettes. Là, je pense que je vais mettre des paillettes aussi que je vais prendre de chez Colourpop. Enfin, on verra, voilà. Donc, c'est pour ça, je ne suis pas du tout make-up artiste. Par contre, il y a plein des chutes. Je ne suis pas du tout make-up artiste, donc ne reproduisez pas ça chez vous. Non, non, franchement, le make-up, je le dis à chaque fois, c'est fait pour se faire kiffer. Si ça vous rend belle d'avoir des gros traits qui ne sont pas estompés, eh bah faites vos gros traits qui sont pas estompés, on s'en fiche. Le tout, c'est d'être bien dans ses skate-bas, dans ses baskets, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et puis c'est tout, voilà, faites-vous kiffer. Si vous aimez pas le make-up, mais que votre truc c'est les vêtements roses, bah faites-vous kiffer avec vos vêtements roses, ou je sais pas, ou si c'est les vêtements roses et le make-up, et bah faites-vous kiffer avec ça. Donc voilà, je donne pas spécialement de conseils niveau make-up. Bah parce que comme je vous ai dit, je suis pas la mieux placée, vous voyez, j'ai même pas les mêmes yeux. Donc voilà, mais bon, elle est très bien pigmentée, hein, cette petite palette. Donc voilà, ouais, faites-vous kiffer et puis c'est tout. Bon, sinon à part ça, qu'est-ce que vous faites vous pendant le confinement? Même si on en discute assez souvent en commentaire sur Insta et tout ça, je sais à peu près ce que vous faites, hein, parce que vous me le dites, on discute ensemble. Mais est-ce que vous avez une activité de ouf? Est-ce que vous, par exemple, votre truc, c'est de faire du sport ou de la lecture? Moi, c'est le moment où je me suis un peu plus mis à la lecture. Franchement, j'avoue que ça m'apaise, parce que voir tous ces trucs à la télé qui font... Ça fait chier, clairement. Non, je vais prendre celui-là, un petit pinceau fluffy. Ça fait chier de tous ces trucs à la télé, là. Je vais prendre la teinte... Bah, I don't know. Voilà, pour venir fondre le tout. Parce que oui, je vais pas laisser ça comme ça. Ouais, donc on voit plein de trucs à la télé et tout ça. Ça, clairement, ça mine le moral. Heureusement que Disney Plus est sorti. Est-ce que vous l'avez pris, Disney Plus? Moi, je l'ai pas pris. Même si j'en meurs d'envie. Oh là là, j'ai trop envie de me le prendre. Mais en fait, attendez, je vais éternuer. Je me suis bavée dessus. Ah, ça va, il y avait personne autour de moi, j'ai pas mis ma main dans mon... Enfin, dans mon coude, voilà. Mina, attention, tu vas être couronnée. Ouais, donc je peux pas prendre Disney+, parce que, en fait, j'ai pas la télé qui est adaptée. J'ai pas de box adaptée, donc je peux pas, j'ai pas l'application... Disney Plus sur ma box, et j'ai pas non plus une télé Smart TV, vous savez,
où je peux balancer des applis et tout ça. Moi, sur ma télé, je peux pas regarder YouTube et tout. J'ai juste un petit boîtier que j'avais eu sur AliExpress qui est dans ma chambre où je peux regarder YouTube dessus et j'ai quelques chaînes parce que sinon j'avais pas d'antenne TV dans ma chaîne, dans ma chambre, pardon. Mais hey, j'adore, hein, franchement, ça se travaille trop bien. Mais de toute façon, j'avais aucun doute par rapport à ça. La meuf se la pète. Oui, hein, je monte assez haut, hein, mais bon, que voulez-vous? Ouais, donc j'ai pas de boîtier. Excuse-moi, Mina. Oui, je sais. J'ai pas de boîtier pour regarder ça. Je peux pas balancer l'application Disney+. Il me faudrait un boîtier dans la salle pour pouvoir balancer. Et voilà, donc ça me saoule de prendre une application comme ça que vous payez tous les mois ou que vous payez une fois dans l'an. Même si j'en ai très envie et que je sais que je vais la fumer. Parce que du coup, si c'est pour la regarder sur mon portable, ça sert à rien. Enfin bref, je vais prendre la teinte Nope, qui est juste ici, le mauve, un peu plus mauve grisé comme ça, un peu aubergine. Je vous ai dit, les pinceaux, ça ne changera pas. Ce sera toujours des pinceaux de chez Jessup. J'en avais reçu, là, les roses, je les avais reçues par Elodie, de la chaîne Elodie Moito. Et du coup, j'ai tellement kiffé que je me suis commandé un deuxième lot couleur bois, bambou, je sais pas, comme ça. Là. Voilà. Natural, ma chérie. Je vais venir accentuer mon creux, hop hop hop, et là aussi, hop hop. Ouais, donc voilà, j'ai très 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 envie de prendre Disney+, parce que je suis une fan de Disney, mais ça je vous en ai déjà parlé à moult reprises. Mais du coup, alors elle est bien, mais là la couleur est pas, ça marche, mais c'est pas aussi pigmenté que ce que j'aurais espéré. Enfin bref. Du coup voilà, on fait comme on peut pour... heureusement que j'ai Netflix. Ça, Netflix, c'est déjà sur ma box TV, donc j'ai pas eu besoin d'une Smart TV ou je sais pas quoi. C'est déjà sur ma box Netflix. Et heureusement, j'espère qu'un jour, ils mettront Disney+. Ou alors, faudrait que je me trouve un petit boîtier, les Smart TV et tout ça, les petits boîtiers pour que ma télé puisse avoir des applications, que je puisse mettre sur ma télé YouTube, Netflix aussi, même si je l'ai déjà sur la box avec Orange, quoi. Enfin bref, c'est tout un délire, cette chose-là. C'est mignon, mais... Ouais, bah ça va rester très nude. Enfin, le nude est relatif, on est d'accord, hein, parce qu'il y en a pour eux, c'est trop, là, déjà. Et je suis complètement consciente de ça. Donc voilà, et là, maintenant, je ne sais plus quoi faire... Je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, Disney+, ça aurait égayé mes journées. Ça aurait... La meuf, elle en peut plus. Non, franchement, je trouve que c'est bien. C'est pas que pour les enfants, hein, Disney+, hein, parce que vous avez également dessus les Marvel, Discovery Channel, il me semble. Enfin, les documentaires et tout ça. Tiens, je vais prendre la teinte... Parce que là, j'étais en train d'estomper avec un gros pinceau. Et je vais prendre la teinte Lap Honey, qui est la teinte un peu plus blanche comme ça, mais qui est... Je pense qu'il y a des sous-tons roses dedans. Et je vais venir là. Ouah, j'en ai trop mis. Bon, c'est pas grave, je vais estomper, comme ça va faire un petit fondu, tout ça. Ouais, il y a aussi beaucoup de personnes qui font des gâteaux de la cuisine. Mais franchement, je trouve que c'est bien, hein, ce qu'ils ont mis en place au niveau des chaînes et tout ça. Genre, le soir avec Cyril Lignac, vous pouvez tous... tous cuisiner ensemble, genre sur M6 vous pouvez retrouver tout ce qu'il faut acheter en course et après tout pour toute la semaine, et après le soir à 18h45 genre il y a un live, il est dans sa cuisine le gars, et puis genre il t'explique comment tu cuisines avec ce qu'il t'a demandé d'aller acheter en course, quoi. Eh, franchement c'est top, mais bon après ça je le fais pas parce que je mange pas comme eux, bon, ils font que de la viande, ils sont chiants. Faites des trucs végé, les gars. Ou alors après, vous pouvez toujours adapter, hein, genre faire un burger, mais au lieu de mettre un steak haché dedans, vous mettez un steak végétal. Vous savez, oh, ils en vendent des trop bons, là. C'est qui fait ça? C'est Florine Michon, je crois. C'est les steaks végétales dedans, c'est à la tomate. C'est pas vegan, hein. C'est à la tomate mozza ou aubergine. Et c'est trop bon. Oh, ouais. Je vous conseille ça. Franchement, j'en avais acheté, parce que vous savez, à Leclerc, il y a les dates courtes. Enfin, dans mon Leclerc, en tout cas, dans tous les Leclerc où je vais généralement, vous avez un petit stand sur le côté, généralement, qui est à part du magasin, où vous avez les dates courtes, genre les trucs qui se finissent dans la journée ou le lendemain, et ils font des grosses promos dessus, généralement c'est 30 ou 40%, voire 50%, et la dernière fois, ou alors ils font un prix unique, et la dernière fois, il y avait
voilà les steaks hachés végétales. Il y en avait, je crois, une dizaine. Et avec les petites falafels aussi, végétales. Enfin bref, le truc végé là de ces Fleury-Michon, je crois. Ils passaient tous à 1 euro alors que ça coûte cher ça. Et du coup, bah, pff, comment je me suis servie. J'ai tout pris et j'ai tout mis dans mon congèle. Voilà. Bon, on a fait ça. On a fait un peu d'aubergine, de rosée, tout ça, ma série. J'ai bien envie de faire un truc qui pète. Genre mettre une couleur qui n'a rien à voir là au milieu. Mais je me demande si avec cette palette, je vais pouvoir y arriver. Sachant que j'ai bien envie aussi d'utiliser des eyeliner. Surtout, moi j'aime bien faire un double trait d'eyeliner. Là, je sais pas si je ferai un double trait. Je vais mettre des paillettes, tiens, des Glittery Obsessed de chez Colourpop. J'adore, j'en fous sur tous mes make-up. La paillette, c'est la vie, même en été, ma chérie. J'ai aussi cette petite palette de paillettes pressées, toujours de chez Colourpop. J'adore, j'adore. D'ailleurs, dès que ça sera déconfiné, je vais faire une commande. T'es pas prêt? Moi non plus, en fait. Donc, au milieu, je voudrais mettre un truc ouf. Je sais pas si je mettrais pas la teinte Saba, là. La verte à paillettes, comme ça. Il y a des petits irisés dedans. Je vais voir comme ça. Je vais mettre ma petite... Et puis après, par-dessus, je vais... Ouais. Ah, ça va être complètement what the fuck. Je pense que c'est pas du tout complémentaire au niveau des couleurs. Mais quand je les vois à côté, comme ça, dans la palette, ça me dérange pas. Donc, oh, puis merde, on n'a qu'une vie. Je vais reprendre mon petit pinceau du début, là, avec mon pen pot. Oh là là. Ce pen pot, il a au moins plusieurs années. Je sais pas. Je vais en mettre... Hop. Alors, il est très pigmenté. Hein. Je ne fais pas forcément un cut crease, c'est juste pour intensifier le fard. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression quand je vois sur la palette qu'il est un peu transparent. Donc, à voir. Je pense que là, ça va intensifier le truc. Et puis, voilà quoi. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une pro, mais je me fais kiffer. C'est déjà pas mal. Et après, je vous fais des belles photos sur Insta. Et je suis contente, tout le monde est content. Voilà. Bon voilà, j'ai fait mon... C'est pas vraiment un cut crease, mais bon voilà, vous avez compris. J'ai également fondu, là, remis un petit coup de pinceau là entre les deux pour que ça fasse pas une barre nette. Et je vais prendre le Saba. Alors, je vais prendre le Saba avec ce pinceau qui est tombé. Je vais déjà essayer comme ça, juste en posant dessus. Et puis on va voir si j'ai besoin de l'humidifier ou... Oh mais non, j'ai pas besoin de l'humidifier, dis donc. Alors de toute façon, je vais le recouvrir de paillettes, mais bon, c'est pour me faire une base. Quoique honnêtement, j'aurais pu le laisser comme ça. Hein. Ah mais les paillettes, c'est la vie. Ah ouais, bah ouais, il est beau. Attendez, je fonds un petit peu les deux là. Hop, je reprends mon pinceau sans rajouter de matière. Où j'avais le petit... aubergine dessus. Oh, c'est mignon tout ça. Oh, je sais pas du coup si je mets des paillettes parce qu'il est vraiment beau quand même. Ce serait dommage de gâcher. Enfin, gâcher. Gâcher oui et non parce que la couleur sera quand même en dessous quoi. Mais oh, je sais pas. Que faire? Mais vous pouvez pas me répondre. Je sais pas là, je suis perdue. Envoyez-moi un SMS. Regardez, là j'ai zoomé à fond. Enfin, je peux me rapprocher. Hein. Oh, je sais pas là, je sais pas. Il est beau quand même. Attendez, je m'en remette parce que j'ai l'impression de pas en avoir là. Hop. Ah bah je suis contente parce que du coup j'ai même pas eu besoin de prendre un fixe plus. Bon en même temps j'ai le pen pot en dessous donc ça y joue et tout. Genre avec mes cheveux on dirait pas José dans Hélène et les garçons. Celui qui faisait du clavier là. N'importe quoi. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez les gars, on va arrêter avec la Sananas palette. Et on va prendre... Ouais, on va prendre le vert à paillettes comme ça, de chez Colourpop. C'est des trucs qui sont aimantés et c'est la teinte Fire, F-Y-R-E. Et je vais prendre un petit pinceau, c'est un petit pinceau comme ça que j'avais eu dans je ne sais pas où. Et dedans vous avez un embout mousse comme ça, donc c'est très très bien pour prendre les paillettes
Et on va prendre les petites paillettes vertes, donc. Et on va mettre par-dessus. Ah, mais non, je suis con! Attendez! Il faut mettre d'abord du truc à paillettes. Je vais mettre une petite colle à paillettes, la Glitter Glue de chez Collection. Collection, c'est la marque des magasins... comment ça s'appelle? Super Drugs, je crois. Ou Boots. Bref. On va en mettre... Hop, hop, hop. Et avant, je mettais pas spécialement de colle à paillettes parce que c'est vrai que sur les paillettes de Colourpop, il y a toujours une espèce de base collante. Donc, j'ai pas à me plaindre. Généralement, ça tient très très bien. Mais bon, vent fait damer. Hop. Je mets ça comme ça. Et voilà. Vous allez voir, je vais briller de mille feux. On va me voir depuis l'espace. Alors, je vais en mettre quand même un petit peu. Hop, hop, hop. Les paillettes, c'est la vie. J'aime, je mets des paillettes partout dans mes make-up en ce moment. C'est un truc de dingue. J'aime les paillettes pressées, les plus grosses paillettes, les petites paillettes, les paillettes avec des cœurs, des étoiles dedans. J'aime trop. Je sais pas ce que j'ai avec les paillettes, mais je trouve que ça fait vraiment toute la diff sur un make-up. Voilà quoi. Je remets un petit coup pour fondre les deux. Pop, pop, pop. Waouh! Regardez-moi. Hey! T'as un 06. Il faut bien se féliciter tout seul. Donc voilà. Et je vous conseille les petits pinceaux comme ça en mousse. C'est très très bien pour attraper les paillettes. Voilà. Ce que je vais faire. Hop, je vais mettre un trait d'eyeliner. Et un mascara. Je vous reprends tout de suite. Ouais, on va faire ça comme ça. Tadam! Ça y est, je suis pimpée! Alors, je vous fais vite fait un zoom. Donc, ce que j'ai fait un trait de liner. Je vais vous montrer après les liners. J'ai fait un trait de liner marron et par-dessus, j'ai mis des paillettes mauve et marron. Et là, ici, pour accentuer le crotte-crise, bien sûr, j'ai fait un trait de liner vert. Je vais vous montrer les références, comme je vous ai dit. J'ai mis un mascara marron et j'ai refait mon ras de cils et j'ai mis du rouge à lèvres. J'ai mis également du blush, du highlighter et tout ça et tout ça. Alors, oh, c'est très années 80. J'adore. Bon, ça va, on chante tous comme ça, on fait tous des yaourts quand on n'est pas bilingue. Moi perso, je suis bilingue qu'à l'écrit. Bah, sinon, on compte pas sur moi. Alors, en liner, mon liner marron que j'ai utilisé, c'est celui-ci. D'ailleurs, le vert, c'est celui-ci aussi, de cette gamme-là. Je les ai depuis au moins 10 ans. Ils viennent de chez Kiko. Alors, le marron, c'est le 102 et le vert, c'est le 105. J'adore, j'en ai plein des liners comme ça. De toute façon, j'ai plein de liners. Mais j'ai plein de liners comme ça de chez Kiko. J'ai vraiment tout plein de couleurs comme ça. Ils sont vraiment très très bien. D'ailleurs, je pense que j'irai m'en rechercher dès que la déconfination... Enfin, t'as compris quoi. Je fous des liners partout. Donc c'est ça. Et par-dessus, le marron en bas, j'ai mis le Urban Decay par-dessus comme ça. Et c'est le Punk Rock, voilà, qui a des paillettes bleues. Marron, mauve, enfin il y a des paillettes de toutes les couleurs, voilà, tel un arc-en-ciel ma chérie. Donc voilà, ça c'était pour la partie liner. Je suis à fond sur les liners à paillettes, je trouve que ça fait toute la différence, pas forcément qu'à paillettes, attention, je vous dis des bêtises. Et sur les lèvres du coup, j'ai mis de la collection MAC Maker de chez MAC Cosmetics. J'ai mis celui-ci, donc ça se présente comme ça, c'est le Tessa Virtue. Voilà, @tessavirtu17. Voilà, cette collection de toute façon n'est plus disponible sur le site. Elle est partie le jour même, hein, quasiment. Il est trop beau, c'est un satiné comme ça. Je ne garde jamais les packagings chez MAC, mais toute la collection, oui, parce que je me suis pris quasi toute la collection, il ne m'en manque que deux. J'ai gardé les packagings. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Oh purée, je ne me reconnais pas. J'ai appelé ma mère après. Et pour le blush et l'highlighter, j'ai ressorti une vieille palette de chez Primark. Les palettes blush et highlighter de chez Primark sont pigmentées de fifou, de la mort qui tue. T'es pas prête. Voilà. Et ben voilà pour le make-up. Donc du coup avec la palette Sanana X Sephora volume 2. Elle est pas belle la vie. Oh, franchement je trouve que c'est un petit make-up printanier qui est plutôt sympa.
pas trop criard, plutôt portable. Après, ça dépend encore une fois de votre définition de la portabilité. Pas la portabilité du téléphone, la portabilité de sur ta tête. Donc voilà, vous me vouliez un make-up, j'arrête pas de toucher mes cheveux, hein, c'est comme ça. Vous vouliez un make-up, on se prépare ensemble, un tuto et tout ça, et bah le voici, le voilà. Je suis trop contente, j'ai hâte de rouge à lèvres sur les dents. Voilà, moi comme je vous ai dit, je fais pas appel à des tutos, des machins, de la corrida. Non, moi je fais appel à mon sens à moi. Quand je mets, quand je prends une palette, déjà je l'ouvre, je la regarde, je me dis... qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui, parce que tous les jours ça change, hein. Demain ça va être de mauve ou rouge ou peu importe, et après je prends mes pinceaux et hop je me laisse guider, je suis pas du tout make-up artiste, hein. Comme vous pouvez le voir c'est pas net, c'est pas... on s'en fiche, c'est sur moi de toute façon que je fais les make-up. Après on me pose souvent la question si je maquille les gens. Pas du tout, c'est quelque chose que j'ai horreur de faire, je suis pas maquilleuse pro, c'est pas parce que je suis youtubeuse et que j'aime le make-up que je suis maquilleuse pro. Je le fais pour des amis et tout ça, s'ils me posent la question, faut que j'aille laver tous mes pinceaux. S'ils me demandent et tout ça pour des événements, voilà je suis pas chiante, je vais le faire si ça peut les aider et tout, parce qu'en plus j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Hein. Mais sinon non, je maquille pas les gens, je suis pas trop maquilleuse, voilà j'ai pas envie de faire une formation de maquilleuse professionnelle, ça m'intéresse pas, voilà. Mais de toute façon... c'est du feeling, moi j'ai pas envie qu'on me dise tu dois faire ça, 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 ça. Moi j'ai envie de me dire, enfin oui j'ai envie de me dire mais fais, va, voilà, inspire-toi de ce que t'as envie, du beau temps, de ton humeur. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo On se prépare ensemble vous a plu. On a blablaté vite zef, mais de toute façon c'est difficile de blablater et de pas avoir de réponse, hein. De toute façon vous avez les commentaires pour ça. N'oubliez pas également d'aller sur Utip pour me soutenir et regarder des publicités pour vous. Enfin c'est gratuit pour vous et moi ça me rapporte 1 centime par publicité que vous regardez. Merci beaucoup à ceux qui me soutiennent et qui m'envoient également des dons sur Utip. Merci, vous êtes des petits anges. Si vous le faites pas, vous êtes aussi des petits anges. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est juste que je vous le rappelle à chaque fois, parce que si vous êtes nouveau sur la chaîne, voilà, puis de toute façon, il faut aussi se faire sa pub. On va pas se mentir. Voilà, je vais aller laver tous mes petits pinceaux. Je vous souhaite de jouer et de jouer avec vos palettes, de vous aimer, d'inventer des choses, même si vous voulez faire des liners, des machins, un œil bleu, un œil vert, on s'en fiche. Faites ce qui vous fait kiffer, c'est le plus important et c'est ça qui aidera vos journées sans écouter les paroles des autres. On s'en fiche, on est là pour se faire kiffer, voilà. Prenez soin de vous et surtout, encore une fois, restez chez vous, faites pas trop de bêtises. C'est bientôt la fin, voilà, on tient bon. Et puis du coup, en attendant, nous les youtubeurs, youtubeuses, peu importe, on est là pour vous faire kiffer. Moi, toute ma journée, je la passe devant YouTube perso et Netflix, encore une fois. Parce que j'ai pas Disney Plus. Et ça m'aide à faire passer mes journées, même si j'ai toujours un milliard de choses à faire, parce que je travaille de chez moi, donc forcément. Pour ça, ça a pas changé. Voilà. Bon, trêve de blablaterie. Blablaterie. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.